Et bonjour à toutes et à tous, c'est Black Kirby, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la démo de Dragon Quest Builder 2. Ce jeu, juste avec le trailer, il a l'air génial. Franchement, ouais, j'ai même pas les mots, j'ai même pas les dos. Alors, nouvelle partie. Avec quelqu'un qui a dû jouer sur ma partie apparemment. Ok, il y a quelqu'un qui a déjà dû tester. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est le moment de créer votre personnage. Alors, homme, femme, ok. Je vais me prendre un petit homme. Oh, ouais, moi je kiffe le bleu perso. Hop. Une peau mate. C'est pas trop mate là. Là, comme ça. Des yeux clairs, bleu clair. Non, comme ça. Ouais. Celui-là. Nickel. Veuillez saisir votre nom. Black. Ah mais Kirby ça va pas rentrer. Mais je vais mettre Black K. Mince. J'avais pas vu qu'il y avait des lettres minuscules. Facile là. K majuscule. Nickel. Ouais, personnage il me convient totalement. Vous pouvez modifier les paramètres du jeu. S'il vous convient, sélectionnez la croix pour enregistrer et démarrer le jeu. Vous pourrez modifier les paramètres ultérieurement. Peut-être juste le son. À chaque fois quand je fais une vidéo, le son du jeu est plutôt fort. Oh, ça va, là il est sur 2. Ok, ça passe. Ça va, ça va. Bah, y a pas plus de changements que je voudrais faire. Hein. Confirmer, c'est comment? Ah, c'est là. Ces paramètres vous convient-il? Oui. Alors, c'est parti, les amis. On va tester Dragon Quest Builder 2. Donc, j'ai jamais joué en 1. Mais ça a l'air d'être pas mal. Comme jeu, franchement, juste depuis le trailer. Dragon Quest Builder, c'est quoi? C'est un jeu d'action RPG. Un petit peu type bac à sable à la Minecraft. Donc, c'est une dérivée de la franchise Dragon Quest. Et bah du coup c'est la deuxième saison de Dragon Quest Builder 1. En avant, mes enfants, détruisez tout sur votre passage. Oh, stylé. Oh le mais trop classe. Suivant les ordres du grand prêtre Chaos, ses serviteurs du chaos avancèrent. Rang après rang pour dévaster le monde et insuffler la peur dans le cœur des humains. Notre père impie abandonna sa forme humaine pour que Malroth, le maître de la destruction, puisse renaître et que le monde soit consumé par le fléau. Hélas, le puissant Malroth fut vaincu par l'ignoble Engeance d'Eleric avant que le glorieux dessein de Chaos se réalise. C'est hyper stylé comme graphisme, moi je trouve. Grave bien fait. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce jour fatidique. La paix règne désormais et notre ordre est dispersé aux quatre coins du monde. Dites-moi, mes frères et sœurs, que fait un monstre quand il se retrouve acculé? Il mord, bien sûr. Nous devons tout faire pour détruire ce monde. Hurrah! Hurrah! Vive Chaos! Loué soit Malroth! Oh, Père démoniaque, écoutez notre prière. Délivrez-nous de ce monde de l'oubli. Guidez nos pas pour que nous bâtissions votre royaume des ténèbres. Ah, franchement, il a l'air génial. Black Kirby, tu es le héros qui sauvera ce monde. Debout, mon enfant, ta destinée t'attend. Wesh, va me niquer lui. Va me niquer lui. Fais gaffe derrière toi. Hé, tu virais ta tête, je te taquinais, mon enfant. Tu n'es pas un héros, je le sais bien. Tu es un de ces bâtisseurs, n'est-ce pas? Oui.
Fais attention à ce que tu dis, mon enfant. Ton honnêteté pourrait finir par se retourner contre toi. Enfin, au moins tu n'es pas un maître bâtisseur, tu n'es encore qu'un apprenti, mais ça fera l'affaire. D'ailleurs, j'ai un travail parfait pour toi. Quand tu auras les yeux en face des trous, monte me retrouver sur le pont. Ça marche. Ouais, et... Oh, plutôt sympa. Utilisez L pour vous déplacer, pour déplacer votre personnage, et R pour contrôler la caméra. Appuyez sur B pour sauter. C'est sympa. Ça c'est quoi? Oh, c'est pourquoi? Naruto Run. Naruto Run, les amis. Je vois que tu te crames pas les marches. Rien ne t'arrête, on dirait. Bien, comme tu l'as sûrement remarqué, nous sommes en pleine mer. Tu n'as aucune chance de t'enfuir. Alors pas la peine de tenter le diable. De toute manière, tu n'irais pas bien loin. Tu n'as que la peau sur les os. Tiens, goûte-moi ça. Ça vient tout droit de la table du capitaine. Ma table, en gros. Bat Kirby obtient un morceau de Varek. Varek. Vas-y, mange. Black Kirby ne sait pas à quand remonte son dernier repas. À la simple évocation de nourriture, son estomac se met à gronder. Que vous le croyez ou non, ce Varek est comestible. Sélectionnez-le avec croix droite ou gauche et appuyez sur X pour le manger. Ceci remplira votre jauge de satiété et vous redonnera quelques PV. Oh, nickel. Bien, ces algues sont délicieuses, pas vrai? Leur arôme est âcre et leur texture gluante me donne des frissons. Tu devrais remercier ta bonne étoile d'avoir pu engloutir un mets aussi délicat, parce que ce sera sûrement ton dernier repas. Oui, tu as bien entendu. Dans peu de temps, tu seras mort. Mais ne t'inquiète pas, tu as encore le temps de profiter de ta dépouille mortelle. J'ai encore quelques tâches pénibles à te confier avant ça. C'est terminé. Allons, ne prends pas cette thérapeurie. Je ne vais pas t'envoyer au cimetière tout de suite. Tant que tu as envie, je te laisserai l'occasion d'en profiter. À condition que tu suives mes ordres à la lettre. Quoi? Tu veux savoir qui nous sommes et ce que tu fais ici? Si tu veux vraiment savoir dans quel pétrin tu es, je te conseille d'aller parler à ces 5 monstres sous le drapeau là-bas. Quel drapeau? Ah, ok. Ouais, on va parler au gros ou au petit? D'abord les sous-fifres. Bonjour, Glumin. Nous sommes les derniers survivants des héritiers de Chaos. Ceux qui n'ont pas fini de piétiner. Nous allons faire plier ce monde au nom de superbe et glorieux grand prêtre. Ok. Pourquoi je fais autant de bruit? C'est parce que je salive à l'idée d'écraser tous les Glumins pour de bon. Très méchant. Ah, ce château. Ce bateau n'arrête pas de tanguer de droite à gauche. Je sens que je vais être malade. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir vers où on navigue? Aucune idée. Les gros bonnets n'en parleraient jamais à un pauvre petit vampivole comme moi. Tiens, ça ne serait pas monsieur le bâtisseur. Tu n'es qu'un apprenti. Mais tu te pavanes comme si tu étais chez toi ici. Franchement, impossible de faire un pas sans croiser un bâtisseur insolent, bien décidé à défendre ton travail ces temps-ci. Le monde va disparaître, c'est certain. Nous n'avons pas le choix. Nous devons éliminer les bâtisseurs zénants, un par un. Tu ne serais pas cet apprenti bâtisseur qu'on a capturé à Cantelin? Je dois avouer que j'ai de la sympathie pour toi. C'est vraiment pas drôle d'apprendre que sa fin est proche. Medievan, Canoc, Russelune. C'est de ces trois royaumes que viennent les horribles héros, les descendants d'Elric, ceux qui ont vaincu le puissant Chaos. Dans un dernier souffle, notre chef abandonna sa forme mortelle pour que Malroth, le seigneur de la destruction, puisse naître. Hélas, lui aussi fut vaincu. Mais, est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus d'espoir? Non! Les ambitions de Chaos n'ont pas disparu à sa mort. Un jour viendra où nous mènerons ce monde à sa perte. Ils sont décidés à nous niquer. Hein. Alors, tu as parlé au reste de l'équipage? Bon petit gars. Donc, tu sais tout. Nous sommes les survivants des héritiers de Chaos, serviteurs du puissant maître de la destruction. Et vous, les bâtisseurs, êtes nos ennemis jurés. Nous voguons sur les océans pour attraper les vermines de ton espèce et tous ceux qui se dressent sur notre route. D'accord? Hein? Tu veux savoir ce qu'on fait avec tous ces bâtisseurs? Seuls les hauts placés le savent. Vraiment, mais c'est ma petite idée. Je pense que vous allez tous y passer. Enfin, profitons au maximum du temps qu'il te reste ici. Estime-toi heureux de pouvoir te rendre utile, parce que ta dernière heure approche. Oh, nouvelle quête. Terminé.
Écoute-moi bien, bâtisseur. À moins que tu aies envie de passer le reste de ta vie derrière les barreaux, ou pire, faire ce que je te demande. Alors, voilà le topo. La tempête de la nuit dernière a bien secoué mon avis. J'aimerais que tu remettes tout d'aplomb. Pour commencer, j'aimerais que tu détruises tout le bois flotté disséminé sur le plomb et que tu me rapportes le bois quand tu auras fini. Allez, au travail. Chaque morceau de bois flotté est marqué par une icône. Foncez vers lui et appuyez sur Y pour le frapper et en faire quelque chose d'utile. D'accord. Un petit peu le même système que Minecraft, non? Récupérer des matériaux. C'est bon, j'ai tout pété. Alors pourquoi il est aussi lent, mon personnage? Je comprends pas. Voilà. Bien, bien, mon pont a meilleure mine. Maintenant que tu as ramassé tout le bois, bon travail. Bien sûr, j'imagine que tenter de sauver ta peau te donne des ailes. Hein? Tu veux savoir pourquoi je te laisse une chance? À vrai dire, en tant que serviteur du maître de la destruction, je ne suis pas censé fraterniser avec ceux de ton espèce. Mais vu l'état de mon navire, pas le choix. Enfin, tu n'es pas encore vraiment un bâtisseur, juste un apprenti. Alors je pense que tout va bien. Il ne me renierait pas juste pour ça, pas vrai? Enfin, assez taillé le bout de gras. Si tu tiens encore à la vie, je te conseille de continuer à faire du bon travail. N'oublie pas. Tu peux récupérer toutes sortes de matériaux utiles en brisant des objets. Fais juste attention à ce que ta cible ne puisse pas répliquer. Qui est terminé. Tu es quelqu'un d'étrange. Depuis que je t'ai sorti de ta cellule, tu te balades sur mon pont et tu parles à mon équipage comme si de rien n'était. J'ai même l'impression que tu t'amuses bien. Quelque chose doit clocher chez toi. Je ne vois que ça. Franchement, comment expliques-tu ton sourire béat? À ta place, la plupart des prisonniers seraient morts de peur, mais pas toi. Quoi? Tu as toujours cette tête quand on te confie du travail? On dirait qu'on ne te fait pas peur. Je ferais bien de t'occuper ou tu risquerais de tenter un coup tordu. Heureusement, il y a de quoi faire. Commence par aller voir les hommes sur le pont et reviens me voir quand tu auras fait ce qu'ils te demandent. Les hommes sur le pont, tiens les mains. Allez, cours. Cours, gazelle. Je t'ai bien observé, bâtisseur. Je t'ai vu crapahuter sur le pont pour ramasser tout le bois que tu as pu trouver. La tempête qui a fait rage la nuit dernière a emporté nos feux de navigation. Mais on peut les reconstruire, non? A savoir, j'aimerais que tu utilises le bois et que tu as récupéré pour fabriquer de nouvelles torches. Tu vois cet établi Vétus là-bas? Utilise-le pour fabriquer 5 torches. Tiens, je crois qu'il te faudra 7 tuiles pour les fabriquer. Oh. Cool. Une fois que tu auras les torches, place-les aux endroits appropriés. Repère-toi aux 5 blocs noirs, il y en a à peu près près de l'établi et 4 autres près de l'escalier qui mène au pont inférieur. Place une torche sur chaque de ces blocs. Ne me déçois pas, bâtisseur. Fabrique les 5 torches et place-les. Reviens me voir quand tu auras terminé. Vous pouvez construire des torches sur un établi vétuste en utilisant les matériaux présents dans votre inventaire. Ça s'organise bien. C'est incroyable. Voilà, on a fait les 5 torches, on va devoir aller les placer. Vous pouvez placer une torche sur d'autres blocs, sélectionner l'objet avec la croix, droite et gauche, et appuyer sur X pour les poser. Voilà, c'est bien ça, un système où on voit un petit peu où on place. Par contre j'ai vraiment un problème avec les Joy-Con encore. Je sais pas pourquoi il avance comme ça. Allez. Et voilà. Mission accomplie. On dirait que tu sais survivre si tu sais suivre les ordres. Les femmes de signalisation sont plus brillantes que jamais. Pour un navire comme le nôtre, elles pourraient être un peu plus sinistres. Mais je ne vais pas me plaindre. Le pont est à nouveau éclairé. Je dois avouer que ta capacité à créer me perturbe. Enfin, peu importe. Très vite, tu ne nous seras plus d'aucune utilité. Mais nous n'en avons pas encore terminé avec toi. D'autres sur ce navire ont peut-être encore besoin de tes services. Va les voir, je te prie. Terminé. Donc on a besoin d'un établi pour designer un petit peu tous nos outils. Tiens, voilà le soi-disant bâtisseur. On dirait que tu te sens comme chez toi ici, à te voir courir partout. Qu'est-ce que tu as? Tu rends des services aux autres sur ordre du capitaine et tu veux que moi aussi je te confie du travail? Eh bien,
Tu peux soulager l'ennui qui me ronge d'être coincé sur ce maudit navire, si tu n'as pas peur de risquer ta vie. À vrai dire, je me suis toujours demandé si les bâtisseurs savaient se battre. Que dirais-tu d'un peu de corps à corps avec un monstre? Eh hey, toi, ça te dirait d'affronter ce gamin? Essaye de pas le tuer par contre, hein? Très bien. Oh les cœurs, alors je te préviens, cependant ce squelette est vraiment dérangé. Viens me voir après le combat si tu peux encore marcher. Mais... Ah, j'ai fait pas de vision. J'ai réussi à le battre, j'ai même pas niqué toute sa vie. Eh bien, tu te bats beaucoup mieux qu'on pourrait le croire, je l'admets. Mais tout ce que tes petits poings ont blessé, c'est mon honneur. Enfin, rien de surprenant, tu n'es pas très large d'épaule pour un bâtisseur. Ça ne présage rien de bon pour ta future carrière, tu ne crois pas? Heureusement que tu n'as pas à te soucier de ton avenir. Très bien, vas-y. Vas-y remettre d'équipage que t'es une mauviette. Ah bah c'est sympa quoi. Tu te bats comme une mauviette, les bâtisseurs ne sont vraiment pas faits pour se battre finalement. Ah mais j'ai pas d'arme aussi. Comment? Tu l'aurais réutilisé si tu avais une arme? Ah bah voilà. Tu parles comme si tu allais l'assommer avec une de tes torches que tu fabriques, laisse-moi rire. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est quoi ton livre? Qu'est-ce qu'il fait? Black Kirby apprend une nouvelle recette. Bâton de cyprès, branche brisée taillée pour être utilisée comme une arme. Attaque plus 8. Oh nice! Ne reste pas là, sourire bêtement. Dis-moi ce qu'il y a de si drôle. Quoi? Tu viens juste de comprendre comment fabriquer un bâton de cyprès? Ça alors, tu veux dire que les bâtisseurs peuvent non seulement fabriquer des choses, mais aussi en inventer? Eh bien, ne reste pas planté là. Joins le geste à la parole et fabrique ce bâton de cyprès. Alors, tu sais où est l'établi, n'est-ce pas? Oh, autre chose. Une fois que tu auras réussi, n'oublie pas de t'en équiper. À quoi te servirait une arme sinon? Là. Hop. Nickel. Maintenant, je dois l'équiper. Nickel. Bah, me revoilà. Mais cours. Revoilà notre génie avec un bâton de cyprès à la main. Là, tu as la tête de l'emploi. Qu'en dis-tu? Tu veux retenter ta chance contre ce sac d'os? Maintenant que tu as une arme? Oui. Eh eh, c'est bien, il me tarde de voir cet idiot essayer de rassembler ses morceaux une fois que tu en auras fini avec lui. Allez hop. Je t'ai niqué, t'as plus de tête. Ah, une défaite cinglante. Je ne sais pas si je vais pouvoir recoller les morceaux. Allez, ne te prive pas d'aller voir le maître d'équipage pour te vanter de m'avoir battu. Avec plaisir. Eh bien, tu as donné une bonne leçon à ce sac d'os. Regarde dans quel état il est. Il n'est plus bon qu'à se faire ronger par un chien. Quoi? Tu as de la peine pour lui? Eh eh, c'est du jamais vu. Je parie qu'aucun humain n'a jamais pleuré pour un monstre. Tu n'essaierais pas de me lécher les bottes quand même? Enfin. Merci beaucoup, bâtisseur. Au moins, ça m'a aidé à passer le temps. Je crois même avoir appris quelque chose aujourd'hui. Vous, les bâtisseurs, vous ne savez pas vous battre à main nue. Mais avec une arme, vous êtes redoutable. Mais la journée n'est pas encore terminée. Je parie qu'il y a encore quelqu'un à bord qui a besoin d'aide. Quête terminée. Il manque plus qu'une seule personne. Ah. Mais par contre, je peux pas récupérer son arme. Pas de réponse, n'est qu'un tas d'os. What? Oui, juste des os, incapable de répondre. D'accord, bah je voulais récupérer son arme, mais tant pis. Ma parole, tu n'as pas perdu de temps. D'abord des torches, et maintenant un bâton de cyprès? Mais comment se considérer comme bâtisseur sans aucun outil? Tu en as d'ailleurs? Non. Hélas non, à part ce bâton de cyprès, tu n'as aucun outil. Quel dommage. Bon, et si on réglait ça, hein? J'ai confisqué cette paire de gants aux bâtisseurs en cellule dans la cale. C'est pour toi. Ils te permettent de soulever tout un tas d'objets sans avoir à les briser au préalable. C'est l'idéal pour bien ranger tes affaires. Alors sans plus attendre, grâce à tes nouveaux gants, récupère tous les tonneaux disséminés sur le pont et placez sur le tapis à côté de moi. Yeah! On a obtenu des gants. Par contre, les doigts qu'il a, le mec.
On dirait E.T. Utilise des gants pour déplacer les objets d'un endroit à un autre. Appuyez sur ZR pour ramasser quelque chose ou pour le poser. Et sur Y quand vous tenez un objet pour le faire pivoter. Alors attendez, un truc qui me chagrine, c'est que j'ai pas encore été visiter le... la cale en fait. Oh, il y a une meuf. Oh, il y a des gens. Bonjour toi. Oh, bonjour, j'ai surpris ta conversation avec cet horrible gladiateur. Alors comme ça, tu es apprenti bâtisseur. J'allais te demander si tu avais un plan pour nous faire quitter ce navire. Mais je vois que tu n'as pas assez d'expérience pour ça. Oh, pourquoi diable ai-je voulu devenir bâtisseur? Si j'étais fermier ou mineur. Ah, c'est le mec qui est derrière là. Je ne serais pas en train de moisir dans une cité puante. Nous pensions que les héritiers de Chaos avaient disparu, qu'ils avaient pris peur et fui. Comment ont-ils pu retourner à la situation comme ça? Je peux pas le libérer, c'est ça? Ce n'est pas la bonne clé. Oh. Bâtisseur, j'ai quelque chose à te dire. Appuie sur A quand tu souhaites examiner quelque chose ou discuter avec quelqu'un. Je te recommande de ne pas oublier ce conseil tant que tu es dans ma ville. Tu es en vie. Oh, une dernière chose, tu pourrais demander à cette fille en cellule de baisser d'un ton. Elle n'arrête pas de hurler. Comment veut-elle que je repose en paix avec le vacarme qu'elle fait? Mais le mec, il avait dit qu'il avait confisqué à un bâtisseur des gants et je le vois pas. Ah, bâtisseur, dis-moi, est-ce que tu as peur des héritiers de Chaos? Tu as quitté ce cercueil flottant? Ces eaux sont maudites, le courant porte des voix étranges et de nombreux vaisseaux ont disparu avec leur équipage. Et là, tu as peur? Pas autant que moi, je t'assure, je compte bien quitter ce navire en perdition dès qu'une opportunité se présentera. D'accord, mais ça n'aide pas, je veux savoir où est le bâtisseur enfermé, l'autre. Surtout qu'il faut une clé pour la libérer. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est là qu'on entrepose notre cargaison. Les slurpés marins comme moi l'appellent la cale. Dis, tu ne serais pas l'apprenti bâtisseur dont tout le monde parle? On raconte que tu peux créer des choses avec trois fois rien. Comment vous faites, vous les bâtisseurs? Comme disait le surprenant Chaos, tout ce qui a été bâti tend vers la destruction. Quand je pense à tout ce travail pour rien. Voyons voir. Il n'y a pas une clé par hasard? Oh. Oh, quoi? Ils sont protégés? C'est bizarre ça, on dirait qu'ils sont protégés. Je peux pas. Et là non plus? Non, je peux pas. Ok, bon, on a trouvé la cale. Faut qu'on trouve une clé par hasard. Je sais pas, on pourra la trouver. Pour libérer la go là. J'ai le truc. Pas de réponse, ce n'est qu'un squelette. Ah, peut-être que. Ah! Pouah, quelle odeur. Sûrement les toilettes, on dirait qu'elles n'ont pas été vidées depuis une éternité. Je pense que le bâtisseur qui était avec moi, il a dû mourir en fait. On peut se reposer et tout. Ouais, c'est plutôt sympa, on peut se reposer et tout. Bon, on a fait tout le bas du bateau. Je vais aller vérifier un petit peu aux alentours. On va voir qu'est-ce qu'il y a par ici. Oh. Il y a une échelle par là. Je peux monter apparemment. Je peux monter ou pas? Oh oui, je peux monter. Espérons que je trouve une clé. Sinon, je vais devoir compléter les missions du squelette. Oh, il y a un mec là. Allez. Allez, descends. Bonjour toi. Hi, un humain, qu'est-ce que tu fais ici? Tu tires au flanc toi aussi? Ils adorent cesser le boulot. Et je m'en fiche que ça se sasse. Vu que tu es là, je voulais te demander. Tu as parlé au reste de l'équipage pour des monstres? Ils sont plutôt sympas, tu trouves pas? J'ai juste peur qu'ils se soient un peu ramollis depuis la mort de Chaos et le retour de la paix. Mais ne te méprends pas. Les humains et les monstres ne sont pas faits pour cohabiter. Nous sommes ennemis jurés et nous le serons toujours. D'accord. Mais ça m'indique pas où je peux trouver une clé. Ah d'accord. Vous subirez des dégâts si vous tombez d'un endroit surélevé. Évitez le danger en descendant petit à petit. Ah! Ah! Mauvaise situation. Il y a une personne que j'ai pas parlé du coup sur le navire, c'est ce petit squelette là. Oh! Puissant Chaos! Comme ces satanés humains ont-ils pu vous vaincre? Le monde entier ne se pliait-il pas devant vous quand vous avez détruit Russulune? Si seulement j'avais pu sortir de ma tombe lors de l'apogée du grand prêtre Chaos, j'aurais connu le luxe et je ne serais pas coincé avec ces nulos. Oh, lui, il est désespéré. Oh, bah, il n'y a pas de clé apparente. On va devoir compléter ses quêtes à lui. Là. Ah, voilà. Juste la manette qui déconne encore. Et le dernier tonneau. Oh,
Et voilà, poteau. Beau travail, six tonneaux parfaitement rangés. Tu seras d'accord pour dire qu'une paire de gants est un outil indispensable pour tout bâtisseur en air. Je croyais que les jeunes d'aujourd'hui n'étaient que des bons à rien. Mais après ce que tu m'as montré, je devrais peut-être changer d'avis. Hélas, tu auras beau suer sang et eau, tu seras toujours un bâtisseur, l'ennemi juré de notre Europe. Je crains que ton séjour parmi nous ne soit pas très long. Mais ce n'est pas à moi de décider de ton avenir. Cela incombe au capitaine. Ah ouais, le vieux squelette, là. Apparemment, tu as aidé tous ceux qui en avaient besoin. Va vite informer le capitaine que tu souhaites accomplir d'autres corvées éreintantes. Non, j'ai la flemme. Pas mal, pas mal. On dirait que tu as fait tout ce qu'on t'avait demandé. C'est beau de voir quelqu'un se donner autant de mal pour nous les monstres et sans jamais se plaindre. J'avais encore quelques doutes, mais c'est terminé. Tu adores faire ça, pas vrai? T'es vraiment quelqu'un de bizarre, tu le sais. Mais je veux l'entendre de ta propre bouche. Tu aimes construire des choses? Oui. Évidemment. C'est pour ça que tu te lèves le matin. Je le lis dans tes yeux. Tu as tout d'un maître bâtisseur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas te laisser en vie. Terminé. Nickel. Comme les bâtisseurs sont nos ennemis jurés, tu comprendras que je ne peux pas te laisser aller et venir sur mon navire tout en fabriquant des tas d'objets à ta guise. Hein. Toutefois, mes excuses. Petit, mais je vais devoir séparer cette tête souriante de tes épaules dès maintenant. Ouais, mais non. Non. Hé, je rigole, je te taquine. N'aie pas peur, je ne vais pas vraiment te couper la tête. Enfin, tant que tu restes dans mes bonnes grâces. Après tout, je n'ai aucune envie de perdre quelqu'un d'aussi travailleur que toi. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour devenir un bon petit matelot. Et en plus, j'adore ton attitude. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux rejoindre mon équipage? Non. Ne dis rien. Je vois bien que la joie t'empêche de me remercier. En fait, je voulais te demander autre chose. C'est quoi ce gros livre que tu as là? Je n'ai jamais rien vu de tel. Ah, il pleut. Hein? D'où viennent ces gouttes d'eau? Ouah, tu me diras ça plus tard, petit. On dirait qu'une nouvelle tempête approche. Un apprenti bâtisseur, tu feras l'affaire. C'est qui parle? Qu'est-ce qui se passe? À toi de créer ce monde ou de les détruire. Wow, qui me parle? Maintenant, approche, mon enfant. Mais approcher de qui? Hé, hey, toi, le sourdingue, pourquoi ces yeux de merlan frit? Tu m'écoutes ou quoi? Je t'ai dit de retourner en bas. C'est beaucoup trop dangereux pour les marins d'eau douce de ton espèce. Je vais y retourner. J'ai juste envie de parler à lui. Je vais pas parler. Bâtisseur, j'ai une question à te poser. Si un spectre comme moi finissait au fond de la mer, est-ce qu'il se noierait-il? Je sais pas. Toujours pas de clé en vue, je sais pas trop comment libérer la meuf. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Wesh! Tremblement de terre ou quoi? Capitaine! Dans la cale, vite! On est dans la glu ici! Mon sang, j'aime pas ça. Tenez bon, j'arrive. Tout va bien, bâtisseur? Ah, mais je peux pas m'arrêter pour aider un humain. Je dois aller dans la cale. Vas-y, relève-toi. Chaos nous garde. Tout va mal, très mal. Hé, bâtisseur, ramène ta carcasse frêle ici et que ça saute, on a besoin de toi. Ouais, mais je suis pas à tes ordres. Hein. Comment ça donne des ordres frais? Qu'est-ce qui se passe en... Oula. Par ici, bâtisseur. Qu'est-ce qui se passe, ma gueule? Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps? J'ai de mauvaises nouvelles, bâtisseur. On a heurté un récif et un rocher a traversé la coque. Si on ne répare pas très vite, on va boire la tasse. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais essaie de placer une caisse dans ce trou. Tu as une paire de gants, n'est-ce pas? Alors serre-t'en. Oh bah ok, ok. Hop. Et hop. Mission accomplie. C'est tout? C'est passé tout près, mais tu as réussi. Tu as sauvé mon... Oh, porte tous mes os, encore des trous. Je vois rien, moi. Ah, d'accord. Wow, on prend l'eau. Fais quelque chose, utilise d'autres caisses et bouge tous les trous. Ouais, bah oui, t'inquiète. Allez, yali-ho. Hop. Je peux en prendre une ici ou pas?
Oh oui, je peux. Nickel, on va tester, voir ce que ça donne si jamais si je mets ça. Ça marche strictement pas. Hop, hop. Et place-le. Nickel. Tu nous sauves la mise, bâtisseur, ou pas. Je te dois une fière chandelle. Mais notre collision avec ce rocher a ruiné la coque. La prochaine vague pourrait bien nous... Wouah! Je le savais! C'est une course contre la montre, bâtisseur, place d'autres caisses dans ces trous, vite! Si j'arrive à soulever la caisse, quoi. Ah, c'est bon. Allez. Encore une caisse. Allez, allez. Pas sauter. Et bah voilà. Ça c'est fait. Tu as consolidé mon navire comme il faut, bâtisseur. Je ne sais pas où on serait sans toi. Il tiendra encore un moment, mais je ne sais pas combien de temps. Oula. Oh, partout mes œufs. C'est la fin. Bon sang! Regarde ça, on n'a pas de caisse assez grosse pour boucher un trou de cette taille. C'est la fin. C'était un plaisir de te connaître. Ne m'oublie pas, bâtisseur! Comédien, 2 sur 10. Ok, on se retrouve sur une plage, donc le bateau a dû échouer. Black Kirby s'éveille sur une plage. En jugé par les morceaux d'épave éparpillés sur le sable, il a fait naufrage sur une île déserte. Il décide d'explorer les alentours. Vous jouez à la démo de Dragon Quest Builder 2. Sachez que toute sauvegarde effectuée au-delà de ce point ne pourra être utilisée dans la version complète du jeu. Dans la version complète, cette île retrouvera ses paramètres par défaut, mais vos données de sauvegarde de système et les photos que vous avez prises seront conservées. Alors, d'accord. Bon, on va voir un petit peu ce que ça nous présente, puisqu'on a été coincé sur le bateau, on n'a pas pu faire beaucoup de choses. Alors, on va aller voir. Soudain, Black Kirby entend une voix. Rien ici. C'est complètement désert. Et d'ailleurs, où suis-je? Comment j'ai atterri ici? La voix mystérieuse semble provenir de l'autre côté des rochers. Black Kirby devrait pouvoir creuser un chemin dans le sable pour atteindre l'autre côté. Alors déjà, il y a quoi dans ce coffre? Donne-moi une arme. Ok, de la bouffe. Hop, ça dégage. Naruto Run! C'est beau, hein. Malgré que ce soit cubique, c'est très très beau. La terre de tous les possibles, île de l'éveil. Wow, eh, c'est vraiment stylé, hein. On dirait qu'il y a un temple en haut et tout. Et ce ciel, quelle couleur bizarre. Est-ce que je suis mort? C'est donc ça l'enfer? Hein? C'est quoi ce bruit? Eh! Les bourriffés! T'es qui? Un survivant? Pas trop tôt. Tu sais comment s'est retrouvé ici? Ton navire a fait naufrage et tu t'es réveillé sur cette plage. Comment ça se fait que tu sois le seul rescapé? T'es invulnérable ou quoi? Tu t'appelles Black Kirby et tu es apprenti bâtisseur. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais félicitations quand même. Bref, moi c'est Malroff. Quoi? Attendez. Malroff c'est bien le boss qu'on parlait dans tout à l'heure au début dans la cinématique. Genre on disait que c'était un mec qui avait abandonné sa forme humaine dans le genre, non? Allez, suis-moi. J'ai quelque chose de morbide à te montrer. Oula, je le sens mal. Eh bien quoi? Ne me dis pas que j'ai affaire à une âme sensible. Allez viens, tu seras pas déçu. Je sais pas, je voudrais quand même visiter avant de te follow quoi. On se connaît pas. Tu me dis suis-moi. Bon, vas-y, hein. C'est parti. Yon, Naruto Run. Je peux plus courir. Et c'est par là. Ici. Oh, il y a des gens, il y a des survivants. C'est ce que j'appelle manger les algues par la racine. Je parie que t'as jamais rien vu de pareil. Visiblement, on est les seuls rescapés du naufrage, Black Kirby. Comment ça? Tu te souviens pas de m'avoir vu à bord? Si c'est vrai, alors comment... Qu'est-ce que...
Cette fille respire encore? Elle a l'air plutôt mal en point. Vaudrait mieux mettre fin à ses souffrances, si tu veux mon avis. Oh. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Ah! Mais on s'est croisé à bord. Des pirates! Des vilains pirates sans foi ni loi! Vous allez m'enlever et demander une rançon pour me libérer, c'est ça? On s'est vu à bord, toi? Mais attendez. Wesh. Ah, la voilà partie. Elle a pas la langue dans sa poche. Hein. Si tu veux mon avis, on devrait la faire taire. Une bonne fois pour toutes. Bon, je m'en occupe. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'on l'a croisé à bord. N'approchez pas. Si vous comptez me capturer, vous pourriez au moins me dire où on est et comment on est arrivé ici. Nous sommes sur une île déserte. Mis à part quelques cadavres et 2-3 rochers, Black Kirby et toi avez dû faire naufrage ici quand votre navire a coulé. Une petite minute. On se connaît? Bah oui, on se connaît. Ah oui, ça me revient. Tu es le bâtisseur qui était à bord avec moi, celui qui n'arrêtait pas de sourire bêtement tout en obéissant aux ordres des monstres. Tu étais de mèche avec eux, donc tout ça, c'est un peu ta faute. Alors comment tu comptes te racheter? En fabriquant ce dont on a besoin pour survivre, en attendant qu'on vienne nous sauver? Bon, c'est vrai que même un amateur dans ton genre devrait pouvoir se servir de cet établi vétuste pour fabriquer le minimum vital. Au fait, moi c'est Lulu. Bon alors, de quoi on va avoir besoin? Voyons voir. Mission, les désidérata de Lulu. On va avoir besoin d'un abri pour se protéger des intempéries. En attendant les secours, je ne supporte pas bien le soleil, j'aimerais bien survivre jusqu'à leur arrivée. Il nous faut des murs d'au moins 2 blocs de hauteur, ainsi qu'une porte. Voyons voir, pourquoi ne pas retaper cette vieille cabane? Tu devrais pouvoir utiliser des morceaux d'épave pour effectuer des réparations. Utilise tes gants pour éviter les échardes. On risque d'être coincé ici un moment, avant que quelqu'un vienne nous chercher, donc on devrait sérieusement songer à se trouver de quoi manger. Il devrait y avoir des coquilles risées sur la plage, va ramasser quelques-unes et fais un feu de camp pour qu'on puisse les griller. Qui dit feu, dit bois. Heureusement, entre les morceaux de bois flottés et les tonneaux brisés de l'épave, tu devrais pouvoir y trouver ton compte. Maintenant, il me faut un lit. Un vrai. Tu ne crois quand même pas que je vais dormir sur ces sales rochers rugueux? Bon, je ne m'attends pas au grand luxe. Pour l'instant, on devra se contenter de 3 paillasses. Place-les dans la pièce quand tu auras terminé. Ok. Dis donc, elle va pas commencer à nous donner des ordres, la peste? Boucle-la, l'homme des cavernes. Et puis c'est quoi cette tenue à peine décente? Tu crois impressionner qui avec tes muscles saillants? Répète un peu pour voir, et tu verras à quoi ils servent ces muscles. Oh, bâtisseur, tu vas faire ce que je te demande, pas vrai? Tu ne laisserais pas une pauvre demoiselle retourner à l'état sauvage, hein? Ouais, je vais t'aider. Fantastique, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu peux aborder ces tâches comme un genre d'apprentissage. Comme ça, quand tu redeviendras un vrai bâtisseur, ce sera grâce à moi. Un apprentissage? Pour qui elle se prend, la peste? Tu te souviens quand j'ai suggéré de mettre fin à ses souffrances? J'aurais plutôt dû dire nos souffrances. Que la mission commence. Alors, voyons voir. Construisez une salle. Bah, du coup. Ah, cette fille me tape sur les nerfs. Quand elle n'est pas en train de se plaindre, elle nous traite comme ses laquais. C'est intenable. Ne la laisse pas te donner des ordres, d'accord? Tu es apprenti bâtisseur, pas majordome. T'inquiète. Oui, je sais bien qu'elle est coincée ici, mais ça veut pas dire que tu es obligé de l'aider. Ce que tu peux être niais des fois. Elle n'est pas la seule à avoir fait naufrage. Crois-moi, la vie, c'est mieux quand on pense d'abord à soi. Au fait, je voulais te demander la procession de bâtisseur. Est-ce que ça a à voir avec la haute couture? Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai décidé de donner un coup de main. C'est mieux que d'avoir à subir ces bavardages. Alors, tu vas faire quoi en premier? Si tu veux mon avis, tu devrais commencer par rafistoler ces murs. Quelques planches pour boucher les trous et hop, tu auras bâtissé une nouvelle pièce. Pas vrai? Pour tout te dire, j'ai complètement oublié ce qu'elle a demandé d'autre. Reparle-lui si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire. Elle est super bien faite. Je trouve que l'IA du jeu, elle est très très bien faite. Hein. Allez, déplace-toi. Bah voilà, sale. Nickel. Oh, Black Kirby, tu as réparé ma chambre. Et s'il y a des monstres qui viennent nous attaquer, je pourrais m'y enfermer. Pas trop mal pour un apprenti de rien du tout. Au fait, une pièce doit être munie d'une porte et de murs d'au moins 2 blocs de hauteur. C'est le minimum pour une pièce digne de ce nom. Je suis ravi d'avoir enfin un endroit à moi. Venez me rendre visite quand vous voulez, l'homme des cavernes et toi. Construisez une salle, quête terminée. Elle a l'air plutôt satisfaite de ton travail. Bien,
Au temps du dîner maintenant, madame nous a demandé de lui préparer une coquille rizée au feu de corne. Tu sais faire ça, toi? Je sais pas, on n'a pas la recette du feu de corne, peut-être qu'on va en trouver un sur l'île, non? Eureka, Black Kirby apprend une nouvelle recette. Il a pris... Feu de corne, gros fagot de branches brûlant vivement permet de cuire la nourriture. C'est quoi ce livre? Comment? Tu viens d'inventer les feux de camp et tu peux désormais en fabriquer hein, si tu as suffisamment de matériaux? Il te suffit de combiner du bois, de l'huile à l'aide de cet établi vétuste? De l'huile, je peux t'en procurer grâce à une généreuse donation d'un gluant dont j'ai croisé la route. Tiens, nickel. Il ne te manque plus que du bois. La peste a dit que tu pourrais en ramasser du bois feuté et trouver des tonneaux brisés sur la plage, je crois. Tu devrais te mettre à fabriquer ce feu de camp. Je n'ose pas imaginer son humeur quant à la fin. Ouais, alors voyons voir. On a là. Est-ce qu'on peut casser ça? Non. Ah si. Ah non, c'est le sable que j'ai cassé. Bon, ça devrait suffire, je pense. Voyons voir. Feu de camp. Hein? Nickel ça. Son équipe, on rentre à l'intérieur et on le place. Ouais, je vais le placer ici. Eh ben voilà. Qu'est-ce que c'est? Ça craque, ça brûle, ça crache. Ça fait de quoi? Tu sais qu'il ne faut pas jouer avec le feu, n'est-ce pas? Vous pouvez vous servir d'un feu de camp pour cuire des aliments. Sélectionnez un ingrédient, mettez-le sur le feu avec X, puis appuyez sur A pour commencer à cuisiner. Essayez donc avec une petite coquille rizée. Ouais, d'accord. Donc je vais aller chercher une coquille rizée. Je pense que c'est sur la plage qu'on doit trouver ça. Ah bah. Pas de réponse, n'est qu'un cadavre. Ah d'accord, c'est un gluant. Ok, d'accord. Je crois que c'était une coquille rizée. Quoi ça ressemble? Dis, Black Kirby, je vais te demander quelque chose. Toutes ces histoires de fabrication, de matériaux et de bâtisseurs, qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc tu obtiens des matériaux en cassant certains objets et tu les utilises pour fabriquer d'autres choses. C'est ça être bâtisseur? Bien, je comprends mieux. Hein? Je devrais déjà être au courant. Vous êtes peut-être nombreux d'où tu viens, mais en ce qui me concerne, tu es le premier bâtisseur que je rencontre. Enfin, je crois, vu l'état actuel de ma mémoire, mais quand ça me reviendra, je te raconterai tous mes premiers pas, mon enfance dans un monde sans bâtisseur. En attendant, si tu as besoin d'un coup de main pour casser des choses, n'hésite pas. Je suis pratiquement expert en démolition. Tu te souviens de ces coquilles rizées que Lulu nous a demandé de lui rapporter? Il en reste sûrement dans les parages. On devrait toutes les ramasser pour nous. Tiens, ça doit être ça, là. Gueule. Ah d'accord. Non, je voulais pas te parler. Hop. C'est quoi cette chose? Ce serait pas une de ces coquilles rizées que la peste t'a demandé de lui rapporter? Je serais toi, je ferai attention. C'est quand même le genre de truc à te retourner l'estomac quand même. C'est pas bien cuit. Quand c'est pas bien cuit. Oh, il y a du gluant. Ça, c'est quoi ça? L'herbe sèche. Allez hop. Peut-être que ça doit servir à quelque chose, on va récupérer au cas où. Mais cours! Ça devrait s'y faire, je pense. Si jamais on en a besoin pour construire quelque chose, au cas où. Bon, maintenant on peut rentrer. Mais le style est mal ref, hein, il est une. Une bonne dégaine. Mais par contre, j'ai mis des doutes quand même sur sa capacité à être gentil. Parce que comme il dit, il a perdu la mémoire, donc jamais sûr de rien. Ah d'accord. Ok, bah ça a placé directement. Attention Black Kirby, tu as fait tomber cette coquille rizée dans le feu. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça se prépare. Donc les bâtisseurs savent aussi faire la cuisine. Cette coquille rizée va mettre un moment à cuire. On devrait se mettre à la recherche de matériaux si tu veux mon avis. La nourriture prend un peu de temps à cuisiner. Faites preuve de patience et ce sera prêt en moins de deux. On va voir si je peux cuisiner quelque chose avec... Enfin, cuisiner. Oula! J'ai pécho la... Pécho la porte. On va voir si on peut construire quelque chose avec l'herbe sèche. Non, toujours pas. Bon. Nickel. Récupérer. Cet arôme. Est-ce que c'est là le fumet délicat d'une coquille rizée cuite? J'exige qu'on me l'apporte. Ouais, bah vas-y, tu vois. Miam! Cette saveur iodée mêlée de la texture granuleuse du sable. Un vrai délice. Mais il n'y a pas
que les coquerisés dans la vie. Si tu ramasses quelque chose qui a l'air d'un temps soit peu mangeable, essaie de le faire cuire au feu de camp. Un repas cuit est bien plus sain et nourrissant qu'un repas cru. Et n'oublie pas, en cuisine, il faut pas avoir peur d'expérimenter. Deuxième quest terminée. Oh mais où sont mes manières? Je ne vous ai pas demandé vos noms. Black Kirby et Malrof. Black Kirby, je sais déjà que tu es bâtisseur. Et toi, Malrof? Je suis pas sûr, à vrai dire. Je sais que je me suis réveillé sur cette île, mais avant ça, c'est le néant total. Voyez-vous ça, un apprenti bâtisseur et son ami l'homme des cavernes amnésique. Quel jeu surprenant. Oh, tu n'y es pas du tout. Si tu crois qu'un homme de ma trempe irait faire ami-ami avec cet avorton, tu rêves, ma pauvre. Puisqu'on parle de rêve, je commence à fatiguer. Cette journée a été longue et j'ai l'estomac bien rempli avec cette coquille risée. Alors, Black Kirby, c'est avant cette paillasse que je t'ai demandé? Je commence déjà à compter les moutons. Je sais pas, y a pas de craft, rien. Ah, Eureka, Black Kirby apprend une nouvelle recette. Yeah. Bah du coup, le craft de la paillasse, je suppose. Nickel. Couchage rudimentaire constitué d'un tas d'herbes sèches. D'herbes sèches, ça sert à quelque chose. Et c'est reparti, il a ressorti son livre. Qu'est-ce que tu as inventé cette fois? Ah oui, tu penses pouvoir fabriquer une paillasse à partir d'herbes sèches? Il me semble avoir vu quelque chose de sec et d'herbeux sur la côte à l'ouest. Ça pourrait être ça, non? Bah, je crois que j'ai déjà ramassé de l'herbe sèche, en fait. Nickel. Oh, je peux en faire... Il m'en faut 3. Bah, voilà. On va les mettre là. 1, 2... Et 3. C'est formidable, Black Kirby, tu nous as fabriqué un lit chacun. En journée, faire une petite sieste nous permettra de regagner de l'énergie. Et dormir pendant la nuit nous protégera des dangers qui se tapissent dans l'obscurité. Je me demande ce que mes parents diraient s'ils savaient que je côtoie un bâtisseur et sur une île déserte qui plus est. Lorsque les héritiers de Kao ont attaqué Château Yon, ma ville natale, ces monstres effroyables les ont abattus de sang-froid. Déterminé à se venger, leur mort, je suis monté. À venger leur mort, je suis monté clandestinement à bord de ce navire de malheur. Mais ils m'ont capturé avant que je puisse agir. Et on connaît la suite. Pierre, père, mère, me voilà naufragé sur une île déserte, en compagnie d'un roturier et d'un homme des cavernes. Mais je survivrai, car je sais que vous veillez sur moi. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir réglé les problèmes de couchage. Maintenant, si vous voulez bien, je suis fourbu. Et c'est l'heure de dormir. Fabriquer des lits. Quête terminée. C'est plutôt sympa, franchement, le jeu, j'aime bien. Bon bah, si tu veux mon avis, on devrait finir les tâches que nous a confiées Lulu avant d'aller se coucher. Sinon, on risque de nous rabattre les oreilles toute la nuit. Préparer un plat au feu de camp. Bah, j'ai déjà tout répondu. Bah, sur ce, les amis, les quêtes, bah franchement, le jeu en lui-même, il a l'air vraiment sympa. J'ai pu tester pas toutes les fonctionnalités, mais la plupart. Et le jeu, vraiment, il a l'air d'une perle. Ça fait à peu près une heure de gameplay. Une heure de gameplay où on teste le jeu, c'est vraiment sympa. Même les missions, le fait de pouvoir construire, etc. Ça fait vraiment penser à Minecraft sans avoir les graphismes de Minecraft. Et puis voilà quoi, je mettrai le sondage tout comme vous le savez en haut à droite qui vous permet de voter si oui ou non le jeu vous intéresse et je pourrai l'acheter s'il y a une majorité de oui ou non s'il n'y a pas de majorité de oui tout simplement. Et puis voilà, sur ce, j'espère que le gameplay vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un pouce noir, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Black Kirby.